Let us also hear your voice calling each one present to receive a word of purpose and direction in life. Help us to not look forward in fear to the changes in life. Rather, may we look to the future with full hope, because as changes arise, you will lead us safely through all things. Because we are your very own, and when we cannot stand it, you will carry us in your arms. With you, we shall not fear what may happen tomorrow, because you are the understanding God who cares for us today, and who will care for us tomorrow and every day. We have faith, O God, that will either shield us from suffering or give us unfailing strength to bear it. Put us at peace and give us the grace to put aside all anxious thoughts and images. Today, we also pray for tomorrow. This meditation opens another door to another time. As you have led in the past, lead now into the future. Give the practice focus and clarity and a calling from you to understand their purpose and the courage to respond and step toward that purpose. We pray all this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Please be seated. Early days of BTS, when graduation was the end of June, it was always hot. So when I think of when I feel the sweat and the heat today, I think of those early graduations, where sometimes it was in the 90s. And even Father Boone sometimes would give a commencement speech. Once was 3 hours long. It won't be like that today, of course. But it was hot. So it's hot. And that's good. And we are here to honor the graduates of the class of 2016, the 40th graduating class of UTS. Yes. It's also the 10th anniversary of the start of the doctoral ministry program, and we have some graduates from that program in our midst. And it is also the beginning of a new extension campus in Maryland, which you are going to hear about in due course of the program. So a lot is happening here at UTS. So to begin today's exercises, commencement exercises, Mrs. Seiko Lee will set the tone for today's ceremony with the Lord's Prayer, composed by Albert A. Malone. Thank you.
upon recommendation of the faculty, and by the authority given me by the Board of Trustees of Unification Theological Seminary, I hereby confer on each of you the degree of Doctor of Ministry with all the rights, privileges, and honors thereunto appertaining. Thank you.
friends, distinguished guests, welcome. I would like to say thank you to my fellow Dr. Winston Bradley for choosing me to be the representative today. I'm truly, truly honored. Today is a special day, and we have received the title of doctors. What does that mean? A few years ago, we embarked on a journey together. On the first and next year, I remember we were 12 students. Today, only 5 of us are here. It was not an easy journey. There were so many ups and downs, but we made it. We made it together, and congratulations. I personally could not make it without my spouse. She took care of family business for me to be able to focus. Thank you very much to my wife. She's here, she can rise. Thank you. When I first enrolled in this program, I thought it was just an academic program fostering intellectual knowledge. However, I was quickly surprised to realize that the doctoral program was a journey to find myself, who I am. What I'm trying to accomplish in life. I'm sure all my fellows felt the same thing too. We started to reflect more and more. It was a self-transformational experience. My perspective on leadership shifted from changing first the world to changing myself first. Thank you to all the professors who helped us with this process. And I would like to say a special thank you to Dr. David again, my academic advisor and spiritual mentor who guided me through this process. To my fellow graduates of the doctoral program, let us remember the essence of our mission, which for me, in simple terms, is we are healers of human souls. Besides the social, political, economic, environmental challenges the world is facing today, one cannot ignore the wounds of the soul, the spiritual and emotional dimension of life, which is also the driving force behind human decisions. This is also where we go to find meaning in life. One's life. We are called today to become healers of the world, not just in our churches or mosques, temples, but in hospitals, in offices, on the street. And today, my heart goes to all our soldiers who were deeply wounded, not just physically, but
Hi, I'm Dase Diarra. I'm really happy to be here at UTS for this graduation. Of course, this is my advice to all the young Africans that we are here in America. I think our success relies in education, and if we're not patient enough to go to school, really to set a very good example, we will not really bring any change. And here, America really offers us this great opportunity to go to school, and mainly UTS. Anybody who really feels that he has a calling, really this school is really for you. I'm studying at UTS, and I know Dr. Kone is my doctor now, of course, because I'm behind him. I really want to take him as my example. And once again, I would like really to give this encouragement to all the young Africans who are really here in America. This is really our time, and if we don't do it, nobody else is going to do it. And from here, we can really build Africa. So once again, please, my brothers, my sisters, all the youth from Africa, we will have the opportunity to really study. Let's really study. This is our success. Thank you. Je pense que tout d'abord, je voulais remercier la chaîne qui est au rendez-vous des grands événements. Et pour nous sommes là cet après-midi-là, comme vous l'avez si bien dit, pour soutenir le frère Idrissa Koné qui vient d'avoir son doctorat en théologie. Et donc c'est un honneur pour nous en tant que leader de la communauté, aussi des leaders politiques, de nous d'être présents là. Parce que le doctorat, en fait, c'est un doctorat qui caractérise le leadership dans la communauté et le leadership dans le monde. Donc c'est un doctorat en fait qui nous appartient tous. Et pour dire que nous sommes amenés à travailler avec le docteur Idrissa pour qu'ensemble on puisse faire une résolution des crises en Afrique et puis un peu partout le monde. Donc ce doctorat nous intéresse, c'est pour cela que nous sommes présents ce soir-là, cet après-midi avec lui, pour lui apporter tout notre soutien, pour qu'on le soutienne et que nous soyons à son service tant qu'il nous demande pour qu'on puisse ensemble apporter ce plus-là à la communauté africaine mais à la communauté dans le monde. C'est pour cela que je suis présent ce soir ici, pour saluer le frère encore, pour une fois de plus, et mes félicitations à sa famille pour tout le travail, ce bien travail qu'il a fait pour l'obtention de son doctorat en théologie. Je vous remercie. Nous sommes là ce soir pour supporter le frère docteur Idrissa Koné, qui vient d'avoir son doctorat, un grand événement. Surtout, le thème de son doctorat, c'était sur la paix en Côte d'Ivoire, sur la paix entre les Ivoiriens de la diaspora, surtout aux États-Unis ici. Vraiment, nous sommes très très fiers de notre frère docteur Idrissa Koné, qui a fait un excellent travail. Alhamdoulilah, si vous voyez, tout le monde est là, tout le monde est content, c'est la joie. Vraiment, nous le supportons, nous sommes derrière lui, toute la communauté est presque là. Vraiment, on remercie le Seigneur. Alors, par sa grâce, tout ça s'est passé. Dieu merci, on prie pour notre jeune frère aussi, docteur Idrissa Koné, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le guide toujours. Alors, c'est le début du commencement, du courage et félicitations à la grande communauté ivoirienne, au gouvernement ivoirien, à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Merci. Et nous sommes vraiment satisfaits de ce long chemin qu'il a fait, je crois qu'il a été récompensé aujourd'hui. Donc il est désormais docteur de la paix, la recherche de la paix, je pense bien. Et je voudrais aussi lui adresser mes félicitations, et que ce n'est pas facile dans ce pays. Il faut s'occuper de sa famille et aller à l'école, c'est vraiment pas facile. Mais si on arrive jusqu'à ce cycle de doctorat, il faut féliciter. Donc mes félicitations au docteur Koné Idriss, et que Dieu le bénisse. Amen. Oui, mon impression est que je suis contente, je suis fière d'être là ce soir pour assister à la graduation de docteur Koné. Et c'est une fierté pour notre communauté ivoirienne ici à New York et aux États-Unis. Et aussi c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire de voir un de ses fils loin du pays être gradué docteur ici aux États-Unis. Je crois que c'est une fierté. Et nous disons félicitations au frère Koné, félicitations à toute la famille Koné et félicitations à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour le supporter et on espère que nos enfants, nos frères, nos sœurs vont suivre l'exemple pour une bonne communauté ivoirienne ici aux États-Unis et pour une Côte d'Ivoire meilleure et encore prospère.
Je vous remercie et merci encore à Iowa TV qui est toujours là à nos côtés. Nous sommes là à Barryton, loin de New York, mais vous êtes avec nous. Merci beaucoup et que la communauté ivoirienne prospère et devienne encore plus forte, unie, pour qu'on soit vraiment respecté. Merci, merci à tout le monde et à bientôt. C'est Aboubacar Koyaté. Tout le monde me connaît sous le nom de Bouba. Je suis venu de New Jersey ici pour soutenir notre frère qui vient de recevoir son doctorat, Idriss Ena Cissé. Et vraiment, c'est une fierté pour notre pays d'avoir un tel monsieur qui va au bout de ses rêves et obtenir un doctorat ici en Amérique concernant la résolution des conflits. Et vraiment, c'est avec fierté que nous sommes venus le soutenir et nous nous souhaitons tout le bonheur du monde et on espère qu'avec l'expérience qu'il vient d'acquérir, il va nous aider la communauté ivoirienne à voir un peu plus loin et à nous unir davantage parce que c'est ça l'essentiel pour développer le pays et pour aussi notre développement collectif. Donc je vous remercie. Félicitations le frère Idriss, vraiment merci, merci de nous avoir considérés. Je suis ému, c'est un grand jour pour moi et c'est aussi un grand jour pour la Côte d'Ivoire, pour la communauté ivoirienne de la diaspora. Et obtenir un doctorat aux États-Unis, c'est un long chemin, c'est beaucoup de difficultés sur le chemin, mais vraiment avec le support et l'encouragement de beaucoup de personnes, dont le consul général, M. Christophe Kwaku, le consul général à New York, de la Côte d'Ivoire à New York, et mes professeurs, nous avons pu faire, on est arrivé au bout. Mon doctorat est précisément focalisé sur la paix et la justice, et je pense qu'on en a besoin dans notre communauté, on en a besoin un peu partout, et on en a besoin en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais être un agent de développement et de paix pour ma communauté. Je pense que ce doctorat que j'ai reçu pourra me donner les éléments nécessaires de pouvoir contribuer au développement et à la paix pour la Côte d'Ivoire et à la diaspora. Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement exprimer toute mon appréciation pour Dr. Idriss Akone qui nous honore en tant que communauté ivoirienne vivant ici à New York. Il vient de recevoir le diplôme de doctorat et pour nous, c'est une fierté. Nous avons tenu à être là et la communauté s'est manifestée par sa présence. Dr. Kone a fait un travail de recherche sur les conflits dans notre communauté et nous espérons que les résultats de son travail seront mis à profit pour une bonne cohésion au sein de la communauté ivoirienne ici à New York. Merci. Voilà, je suis docteur Niembe Ouattara. Je suis associate professor of history and international studies at Brunel University. Je suis là pour féliciter mon frère qui vient de devenir aussi docteur. Donc, félicitations à mon petit frère. Il est maintenant docteur Kone Drissa. Donc c'est un signal fort pour la communauté ivoirienne. Nous voulons que tous les Ivoiriens qui arrivent dans la diaspora comprennent que c'est par le chemin de l'école que vous pouvez rayonner et c'est par le chemin de l'école qu'on peut trouver notre propre chemin en Afrique. C'est très très important pour tout le monde d'aller jusqu'au PhD parce que pour ceux qui connaissent le système scolaire, c'est au niveau de PhD qu'on arrive à comprendre ce qui nous a été proposé et on arrive à proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui nous a été proposé. Donc vraiment, je suis fier, fier, fier et vive la Côte d'Ivoire. Ok, hi. Congratulations on your achievement and I'm really proud of you and love you. Thank you, yeah. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.